purchase your tracks today. Kati Kapesa TV, Kati Kapesa service traiteur, chef Kati Kapesa en États-Unis. Yes, I. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorate, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Pour un mariage naïo, Neko Kobanga Bangate, oh. Service traiteur, Katika Pesa, et qu'on fait ça ma solo. Mouta malé au sommet, pas Pesa, eh. Ah, un solo la gabie. Sans beaucoup d'anina, eh. Qu'on s'arra décidé. Katika Pesa, eh. N'a Pesa, yo, nini, eh. Katika Pesa. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Agriculture sur votre chaîne préférée, Katika Pesa TV. Alors, chers amis internautes, n'hésitez pas de suivre nos émissions, de liker, de partager, de vous abonner, ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater au prochain numéro. Je suis Christelle Agnota à la présentation de cette émission. Je vous dis bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, dans ces nouveaux numéros de votre émission Agriculture, nous allons parler de la Nous allons nous pencher du côté de la culture pour parler de la tribu Louba. On va essayer de savoir comment se passe la dot chez les Louba, quelle est la procédure qui mène jusqu'au mariage chez les Louba, qu'est-ce que le Louba demande pour donner leur fille en mariage. C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Et enfin, pour finir, on va essayer de comparer la dot chez les Louba au temps traditionnel et au temps moderne. On va essayer de voir qu'est-ce qui a changé et trouver le pourquoi de ce changement. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord avoir l'aperçu sur les Louba. Qui sont les Louba? Alors, les Louba, ce sont un peuple d'Afrique centrale installé en République démocratique du Congo, plus précisément dans les Kasaï. Et ils parlent généralement les Tshiluba. Donc, nous le savons tous, le Baluba parle généralement le Tshiluba. Ils tirent leurs origines, leurs origines, c'est les berceaux du Katanga. Donc, les Baluba proviennent du Katanga, Bautandekunana Katanga. Et avec le temps, ils se sont répandus jusqu'au Kasaï. Donc maintenant, on voit que la ville mère de Baluba, c'est les Kasaï. Avec le temps, ils se sont répandus au Kasaï. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire en tout cas de vous abonner massivement, de vraiment suivre cette émission, surtout nos confrères qui sont à l'étranger, qui souhaiteraient un jour épouser une fille Louba. Donc, suivez massivement cette émission pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez acheter, comment est-ce que vous devez vous tenir. Donc, suivez cette émission, vous ne serez pas dessus, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous dirais même de prendre un stylo et un bloc-notes pour noter quelque chose. Alors, la procédure qui mène jusqu'au mariage chez les Louba est celle-ci. Une fois que la jeune fille est d'accord avec son élu de cœur d'être son épouse, donc une fois que vous proposez à une fille Louba de devenir votre fiancée et qu'elle est d'accord, elle va aller voir ses parents. Elle va aller voir ses parents généralement. Elle va aller voir la maman parce que c'est pas du tout facile d'aborder le papa Louba. Donc elle va aller voir la maman. Donc la jeune fille parlera à ses parents. Elle parlera à ses parents, plus précisément à sa maman.
Donc, je disais plutôt que le papa Luba ne sont pas du tout faciles à aborder. Et ensuite, le garçon, donc le prétendant, c'est lui qui veut épouser une fille Luba, ne viendra pas directement chez sa future belle-famille pour demander la main de sa fiancée qui est bel et bien leur fille. Chez les Luba, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si ça se fait chez d'autres, mais chez les Luba, ça ne se fait pas que tu veux épouser une fille Luba, tu passes directement chez ses parents pour demander la main de leur fille. Ça ne se fait pas chez les Luba. Donc, le futur gendre va plutôt attendre la réponse. Il va plutôt attendre de recevoir l'accord de sa future belle-famille. Il va plutôt attendre de recevoir l'accord de sa future belle-famille au travers de sa fiancée. Donc, quand sa fiancée ira parler avec sa maman, son papa, le gendre sera là tranquillement à attendre que sa future femme vienne lui dire qu'est-ce qui a été la réponse de leurs parents, négative ou positive qu'elle soit. Et ensuite, après que le futur gendre ait eu la réponse de sa future belle-famille, si elle est positive, le futur gendre enverra un message. Il enverra un message à sa future belle-famille, de son intention de vouloir venir doter leur fille et de faire d'elle son épouse. Donc, il enverra une lettre. Donc, je suis sûre que vous êtes en train de me comprendre, hein, la procédure à suivre. Donc, je me répète. La procédure à suivre est celle-ci. Une fois que mes confrères, une fois que vous voulez épouser une fille Luba, c'est pas vous qui allez demander sa main directement auprès de ses parents. Non, chez les Luba, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça. Vous devez suivre toute une procédure pour ça. Vous allez d'abord parler à votre fiancée. Et elle va parler à ses parents. Et ensuite, ses parents vous donnera l'accord. La réponse de ses parents peut être positive tout comme négative. Mais si la réponse est positive, vous allez envoyer une lettre et vous allez envoyer un message à la belle famille, à la future belle famille, de votre intention de vouloir épouser leur fille, de vouloir venir verser la dot et épouser leur fille. Dans cette lettre, vous allez fixer le jour que vous voudrez remettre la dot. Donc, le jour de la remise de dot à sa future belle-famille. Et si le jour que vous avez fixé ne plaît pas à la future belle-famille, le jour que vous avez fixé ne convient pas à la future belle-famille, ils sont libres de vous dire que non, monsieur, le jour que vous avez fixé, nous ne sommes pas prêts. Et ils sont libres de proposer une nouvelle date. Ils vont vous proposer une nouvelle date pour qu'elle se prépare en conséquence. Et pendant que vous allez venir verser la dot, pendant que le futur gendre viendra verser la dot, il ne sera pas seul chez les Luba. Comme ça se passe chez d'autres. Genre, vous voulez épouser une fille à Batou, au Dingo Balamouana Batou, tu viens toi seul avec la dot, l'argent. Donc, tout ce qu'on demande, tout qu'on sort, tu viens verser ça toi seul. Chez les Luba, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir toute une délégation. Toute une délégation qui sera composée de certaines personnes. Maintenant, on va savoir, cette délégation sera composée de qui. Donc, nous voyons que le futur gendre, aura une délégation. Et cette délégation sera constituée d'un chibanji. Un peu plus tard, je vais vous expliquer c'est qui un chibanji pour ceux qui ne comprennent pas le chiluba. Sera constitué d'un chibanji, de son père, de sa mère et de leur accompagnateur. C'est qui un chibanji? Un chibanji, c'est celui qui connaît le mieux la famille
du futur gendre. Donc, c'est celui qui connaît le mieux, c'est lui qui veut épouser votre fille. C'est lui qui va vanter, donc c'est lui qui fera la force. Donc, il fera le forcing de, de la famille du futur marié. Donc, c'est lui qui fera de The Loge, c'est lui qui va parler du futur marié. Il est ceci. C'est lui qui va essayer de lever le futur marié. C'est celui-là qu'on appelle Chibanji Antiluba. Donc, en bref, on pourra dire que c'est les porte-paroles. C'est les porte-paroles. Pourquoi un porte-parole? Pourquoi l'homme, c'est pas l'homme lui-même qui parle? Pourquoi il a besoin d'un porte-parole? Écoutez-moi bien. Parce que, mes confrères, parce que chez les Luba, le futur gendre, celui qui vient épouser, n'a pas le droit de prononcer un mot, n'a pas le droit de dire quelque chose devant sa future belle famille. Il n'a pas ces droits-là, c'est pourquoi il a besoin d'un chibanji. Je ne sais pas comment ça se passe de nos jours, mais à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça, donc le futur gendre, quand il vient, il n'a rien à dire. Il sera là qu'à observer. C'est le chibanji qui parlera à sa place. Donc, la délégation de la délégation du futur gendre, quand ils viennent chez les Luba, ils doivent très bien être équipés culturellement et financièrement. Donc, si vous venez épouser une fille Luba, vous devez être équipé financièrement. Donc, pas équipé, mais très bien être équipé financièrement et surtout culturellement. Alors, le papa, après tout ça, le papa de la future mariée, une fois qu'il sera informé de la décision de son futur gendre de venir doter sa fille, il aura pour première mission, donc sa mission prioritaire sera de savoir la volonté du membre de la famille patriarcale à qui reviendra le droit de consommer la dot en argent liquide. Donc, par là, si on comprend bien, on voit que ce n'est pas le papa Luba qui consomme la dot de sa fille. C'est pas le papa Luba qui consomme la dot. Comme ça se fait chez d'autres, chez le Luba, ce n'est pas le papa qui consomme la dot, mais il y a un membre de la famille du père. Donc, quand on dit un membre de la famille patriarcale, donc c'est un membre de la famille du père qui consommera cette dot. C'est pourquoi je disais, donc, on comprend que ce n'est pas plutôt le père de la fille qui consomme cette dot. Alors, la délégation d'accueil du côté de la future mariée sera constituée de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs et d'autres membres de la famille élargie. Donc, on voit que chez les Luba, le mariage ne se limite pas que, bon, papa veut donner sa fille en mariage. Il ne va pas se dire que non, je me limite seulement papa, maman, le frère biologique de la fille, c'est tout. Chez les Luba, ça ne se passe pas comme ça. Chez les Luba, la famille élargie est vraiment importante. La famille élargie a l'obligation d'assister à cette cérémonie. Donc, il faut dire que chez les Luba, la dot est interprétée comme une cérémonie. Une cérémonie où c'est l'homme qui donne à la femme. Donc, symboliquement, c'est la famille de la femme qui s'enrichit. Donc, chez le Luba, quand il y a d'autres, c'est la famille de la femme qui s'enrichit et celle de l'homme s'empauvrit. Symboliquement, c'est ce que ça signifie. Donc, la balance de la dot doit être équilibré pour ne pas faire souffrir l'enfant d'autrui. La balance doit être équilibrée en faveur de la famille de l'homme pour qu'il ne puisse pas trop dépenser. Alors,
que j'allais dire d'autre. Donc, chez les Luba, c'est comment? Si la famille du jeune homme, hein? Si toi tu es un jeune homme, ta famille veut très bien être reçue lors de cette cérémonie. Donc, ce n'est pas interdit que vous-même, vous puissiez prendre cette cérémonie en charge. Vous pouvez payer la nourriture, la boisson pour que la cérémonie se passe comme vous l'avez souhaité. Ce n'est pas interdit que vous le preniez en charge. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se passe chez les Luba. Donc, du côté de la femme aussi, il y aura un chibandji. Mais là, maintenant, on va le mettre au féminin. Ça deviendra une chibandji. Une chibandji, c'est qui? C'est justement comme on l'avait dit avec le chibandji de l'homme. C'est chez la femme, le chibandji, et c'est lui qui connaît très bien la famille de la future mariée. Donc, c'est lui qui va vanter la future mariée, sa famille. C'est lui qui fera les éloges de la future mariée. C'est lui qui fera le forcing de la famille de la future mariée. En bref, la chibandji, c'est le porte-parole, mais du côté de la future mariée. Alors, le présentation de deux familles seront faites par leurs chibandji respectives. Donc, chez les Luba, écoutez-moi bien. Donc, chez les Luba, ce n'est pas au papa de la jeune fille de faire la présentation. Ce n'est pas au gendre de faire la présentation. Ce n'est pas à qui que ce soit de faire la présentation. Cette lourde tâche n'est pas donnée à tout le monde. Cette lourde tâche revient nécessairement au chibandji, donc aux porte-parole qui seront choisis. Donc ces chibandji doivent avoir beaucoup de sclation. Donc malheur à celui qui aura un piètre chibandji, parce que on suppose que le porte-parole doit être une personne qui sait parler, une personne vraiment qui fera des éloges du des côtés. Donc c'est comme ça que ça se passe chez les Luba. C'est la procédure à suivre. Maintenant nous allons passer à la dot proprement dite. Qu'est-ce que le Luba demande pour donner leur fille en mariage? Qu'est-ce qu'il demande? Premièrement, il demande la dot en argent liquide. La dot en argent liquide, c'est quoi? La dot en argent liquide, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une somme, hein? C'est une somme d'argent en espèces qui est toujours demandée chez le Luba. C'est une somme d'argent en espèces que la future belle-famille demande au gendre. Normalement, chez le Luba, la famille de la femme ne détermine pas le montant. Donc, chez le Luba, on ne détermine pas le montant. Chez le Luba, ce n'est pas que... Bon, disons, chez le Luba de l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Chez le Luba de l'époque, il n'y avait pas du genre... fixer les binômes montant que non. Pour prendre ma fille en mariage, il faut donner 1 000 $, 2 000 $. Non, chez le Luba, ça ne se faisait pas. Chez le Luba, c'était à la famille du futur gendre de montrer de quoi ils sont capables, de montrer leur bonne volonté, hein? De montrer que oui, malgré que vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas fixé un montant, mais quand même, on vous verse une telle somme, vous voyez? C'était à la famille du gendre de montrer leur force. Mais une fois que vous versez la dot en argent liquide et que la famille de votre future épouse estime que cet argent n'est pas suffisant, cet argent ne convient pas, ils ont le droit de déclarer, hein? Ils ont le droit de déclarer et de vous dire que en tout cas la somme que vous nous avez donnée, ça nous a lésé. Oh là là! Mes confrères, essayez un peu d'imaginer. Vous venez épouser une fille. Vous venez épouser une fille et on ne vous demande rien. Enfin, on ne vous fixe pas le montant. Et puis, vous donner un montant qui lèse votre future belle-famille. Ah, en tout cas,
Évitez ça. Évitez ça. C'est pas bien. Donc, je disais, toutefois, si la famille de la mariée estime que cette somme ne le convient pas, elle peut renvoyer la cérémonie à plus tard, à une date ultérieure. Donc, parce qu'on suppose que donc la famille de la femme suppose que cette somme les a lésés. Donc ils vont renvoyer la cérémonie à plus tard, le temps pour vous de chercher l'argent pour donner une somme convaincante. Donc elle peut aussi signifier via son chibandji à l'autre camp qu'elle a été lésée. Donc la famille de la femme, c'est pas le papa de votre future femme qui viendra vous dire que non mon fils, l'argent que vous avez donné ça m'a lésée. Non, c'est le chibandji, donc le porte-parole, qui va signifier à l'autre camp que l'argent que vous nous avez donné, ça nous a lésés. Donc nous emmenons la cérémonie à plus tard, le temps pour vous de chercher l'argent et de nous donner une somme qui va nous convaincre. Alors, les montants qu'on donne en argent liquide, donc la dot en argent liquide, est décidée par la personne à qui cet argent est destiné. Je l'avais dit tantôt, chez le Louba, ce n'est pas au papa biologique de la fille de manger cet argent, de manger cette rubrique de la dot. Ce n'est pas au papa, mais plutôt ça sera un membre qui sera choisi. Le Louba étant patriarcal, ça sera un membre de la famille du père de votre future épouse qui mangera cet argent. Donc c'est lui qui dira que non, c'est lui qui va signifier à leur chibandji que non, cet argent m'a lésé, donc on va reporter la cérémonie à plus tard. On va emmener la cérémonie à plus tard pour que le futur gendre continue de chercher l'argent pour donner un montant convaincant. Alors souvent, donc comme je le disais, souvent ce n'est pas le père de la fille qui mange cet argent. Mais on voit bien le papa Louba insister lors de cérémonies qu'on respecte le desideratas du consommateur. C'est une coutume, ça a toujours été comme ça chez le Louba. Donc on voit le papa Louba insister sur ça, qu'on doit vraiment le respecter. Et puis c'est là, on va passer à la deuxième rubrique. On a vu la première rubrique, c'était la dot en argent liquide. C'est ce que le Louba demande premièrement, la dot en argent liquide. On a vu que le montant n'est pas fixé, c'est au futur gendre de montrer sa bonne volonté. Maintenant, on va passer à la deuxième rubrique. Ce que demande le Louba, c'est le fusil. Le fusil en Chiluba. En Chiluba, on l'appelle les chingoma en Chiluba, le fusil. Donc pourquoi chez le Louba on demande le fusil? En Lingala, comment je peux les dire pour essayer de faire comprendre à tout le monde? Comment je peux les dire en Lingala? Munduki, je crois, Munduki en Lingala. En Lingala, c'est Munduki. Mais alors, on se demande pourquoi le papa Louba demande les fusils. Pourquoi il demande les Munduki là? C'est pour tuer qui? Pourquoi il demande ça? On voit que le papa Louba demande le fusil parce que le fusil est le lien qui relie. Donc, c'est le lien qui va relier la mariée à sa famille patriarcale. Donc, vous êtes marié, mais ce fusil va toujours vous relier à votre famille patriarcale. Donc, la mariée part dans sa nouvelle famille, mais elle reste dans sa famille de sang par le fusil qu'a donné son futur mari. Donc, vous voyez que c'est une rubrique vraiment à respecter, hein?
à nos chers confrères. Donc, quand on vous demande les fusils, il ne faut pas vous poser trop de questions, il ne faut pas vous faire trop des idées, il ne faut pas vous dire que ah, le papa Loubapé balé qui si, Bédine Kosinga boé boé boé. Non. Eux-mêmes savent le pourquoi ils le demandent. Donc, on vient de comprendre qu'ils demandent ces fusils pour établir le lien, vous voyez, ils établissent le lien entre leur fille qui part dans votre famille et sa famille de sang et sa famille respective. Donc, ces fusils servira, hein, le fusil que vous allez donner, hein, chers confrères, le fusil que vous allez donner servira de dot pour un éventuel frère, pour un éventuel mariage du frère de la mariée. Donc, si votre future épouse a de frères, donc la dot que vous allez donner, le fusil que vous allez donner va aussi servir de dot pour son frère qui voudra aussi épouser une fille que selon leur coutume on demande aussi le fusil. Une fille, par exemple, une fille Louba, si il veut épouser une fille Louba chez le Louba, comme il sait déjà qu'on demande le fusil et qu'on avait donné un fusil pour sa soeur, il n'aura que à le donner. Donc, dans le temps ancien, dans une famille où il y a plusieurs garçons, c'était un véritable casse-tête pour le papa, vous voyez. C'était vraiment un véritable casse-tête pour le papa parce qu'il se demandait où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent pour rassembler autant de fusils pour mes enfants, tout et tout. Mais quand il y avait beaucoup plus de filles, le papa s'est retrouvé quand même. Donc, dans le temps ancien, le papa préférait avoir beaucoup de filles que de garçons. Hein? J'avais même lu quelque part, il y avait un exemple donné. Si, par exemple, le papa, vous avez mis au monde deux filles de garçons, donc les deux filles qui vont se marier, leurs fusils serviront à ces deux garçons quand ils vont se marier. Maintenant, après avoir lu ça, je me suis demandé, vous avez mis quatre enfants au monde, cher papa. Vous avez mis quatre enfants au monde, deux filles, deux garçons. Alors, si ce sont les deux garçons qui désirent se marier en premier, qu'est-ce que vous allez faire? Point d'interrogation, c'est au papa Louba qui nous suivent à la maison de répondre à cette question. Et puis, la troisième rubrique à respecter chez les Louba, c'est la rubrique de la chèvre deux ancêtres. La chèvre deux ancêtres. Donc, chez les Louba, quand on marie sa fille, on fête aussi avec la communauté, la communauté dans laquelle on vit tout le jour. En Chilouba, on l'appelle le Mbuji Wabakishi. Donc, le fait de fêter avec la communauté avec laquelle on vit tout le jour quand on marie sa fille, en Chilouba, ça s'appelle le Mbuji Wabakishi. Donc, le Mbuji Wabakishi, c'est un repas pour célébrer le mariage avec toute la communauté. La rubrique qui suit chez le Louba, c'est la chèvre de la virginité de la mariée. Donc, pour manifester la reconnaissance et la fierté à la maman, à cette maman qui a très bien éduqué sa fille, il est obligatoire. Donc, quand tu trouves sa vierge, surtout une fille Louba, donc pour manifester la reconnaissance à cette maman qui a gardé pour vous votre fille, qui a gardé pour vous votre future épouse, qui a très bien éduqué votre future épouse, vous devez obligatoirement offrir une chèvre à cette maman. Pas n'importe quelle chèvre, une chèvre de taille, une chèvre de taille, vu que c'est une denrée qui est devenue très rare, donc extrêmement rare de nos jours. Et puis la maman de la mariée partagera cette chèvre avec ses sœurs et d'autres femmes de la communauté, donc peu importe, et d'autres femmes qu'elle voudra, mais ça sera aux femmes de prendre cette chèvre.
Donc, c'est la couronne d'honneur de la maman de la mariée. C'est sa couronne d'honneur. Et si il arrivait que vous venez épouser une fille qui n'est plus du tout vierge, on informera discrètement au chibonji du gendre de sauter cette rubrique. Donc, on informera discrètement de sauter cette rubrique, étant donné que la future mariée n'est plus vierge. Et enfin, pour clore, la rubrique finale, c'est les habits de parents. La rubrique finale, c'est les habits de parents. Cette dernière rubrique est exclusivement réservée aux parents. Donc, depuis qu'on a commencé, vous avez vu, c'est seulement la famille élargie qui bénéficie. Et là, maintenant, c'est le parent. C'est la rubrique réservée aux parents. Donc, il s'agit ici du père et de la mère. Il s'agit du père et de la mère. De votre futur fiancé. Donc, il peut aussi arriver, vous venez épouser une fille, sa maman est morte, son papa est morte, la personne qui l'a élevée, c'est sa tante, ou la personne qui l'a élevée, c'est son oncle. Donc, du coup, dans ces cas-là, il devient directement son père ou sa mère. Donc, cette rubrique leur appartient. Même si les parents sont en vie, il se peut qu'on élargit aussi ses cercles avec le frère et sœur du papa et de la maman de la mariée. Ici, le parent n'a droit qu'aux habits. Le gendre a l'obligation d'habiller ses futurs beaux-parents. Le papa aura droit au moins à une tenue complète, c'est-à-dire à un ensemble, chaussures, chaussettes, costumes, un costume à trois pièces, une chemise, une cravate, un chapeau, et la maman aussi aura droit à une tenue. Donc, elle aura droit à une tenue complète, un foulard de tête, chaussures, une pièce de préférence. Cette pièce doit être un super wax et une blouse. C'est le minimum que le loup demande. C'est le moins, donc c'est le minimum qu'il demande. Mais il n'est pas exclu d'aller jusqu'à trois pièces. Donc, si vous voyez que si le gendre, vous êtes quand même quelqu'un. Tout cela dépend de votre capacité financière. Si vous voyez que votre capacité financière peut vous permettre d'aller jusqu'au-delà, alors n'hésitez pas d'aller jusqu'au-delà de ce qui est demandé. C'est ça. Maintenant, on va comparer. On va faire la comparaison. On va comparer la dot du temps traditionnel et la dot du temps moderne chez les Louba. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi? En ce qui concerne la dot en argent liquide qu'on donnait à l'époque traditionnelle, c'était à la famille, comme je l'avais dit, c'était à la famille de l'homme de prouver sa force, sa bonne volonté en donnant un montant qui convient à la famille de la femme. Ces montants n'étaient pas fixés par le papa ou par qui que ce soit dans la famille de la femme. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Tout est modernisé. Tout est modernisé. Donc, il n'y a plus place à la coutume. On a changé la coutume, complètement changé. Aujourd'hui, on voit que c'est le père. C'est le père de la fille même qui fixe un montant exorbitant. Oui, le papa vous fixez un montant. Essayez un peu de fixer un montant normal, quoi. Un montant équilibré. Mais le papa d'aujourd'hui fixe de montants exorbitants. Vraiment exorbitants. Et ça devient presque comme si vous êtes en train de vendre votre fille. Comme si vous êtes en train de vendre votre fille avec le montant que vous fixez, chers parents. Alors, comme conséquence, après le mariage, il y a certains époux qui refusent même que
leurs épouses puissent leur puissent rendre visite à leurs familles respectives après le mariage. Il y a certains époux qui refusent catégoriquement. Des papas fixa qui dotent l'icolo bakanda, tu n'iras plus voir tes parents. Et aussi autre cause, à cause de ça, il y a moins en moins de mariages. Il y a moins en moins de mariages. Le mariage ne se fait plus comme il faut. On voit que le fille aujourd'hui préfère bah qu'elle n'a pas encore côté ma balle. Ici, généralement, on appelle ça yakatofanda parce que azomona la personne que j'aime, quel jour il réussira à réunir toute cette somme que mon père demande donc na kenanga kaka. Bon, en gros, c'est kaka na kenanga la fanda kota nanga libala. Donc tout ça, et ça va conséquence y a d'autres exorbitants que nos parents demandent. Alors, chers parents, vos filles que nous sommes pas de marchandises. Chers parents, écoutez-moi bien. Vos filles que nous sommes pas de marchandises. La dot avait pour mission première, la dot principalement était juste un symbole. C'était juste un symbole. Et non un moment pour vous de vous enrichir. C'est pas un moment pour vous de devenir riche. Donc arrêtez avec ça. Arrêtez de nous fixer de montants exorbitants. Parce que quand vous faites ça, bisso moyen toba la isate. Donc, disais, chers parents, la dot n'est pas un moment pour vous de vous enrichir. En ce qui concerne le fusil, autant traditionnel, on demandait le fusil, hein? On demandait le fusil et tout. Et maintenant, on a vu qu'il y a eu un changement. On demande plus les chingoma, on le demande plus. À la place, on demande de machines à coudre, un moulin, une chaîne musicale et un congélateur. Donc là, je peux comprendre, on ne le demande plus parce que peut-être le fusil est devenu très rare de nos jours. Peut-être que ça coûte cher, c'est pourquoi on a remplacé par toutes ces choses-là que je viens de citer. Et en ce qui concerne la chèvre des ancêtres, elle n'est plus vraiment d'actualité, cette rubrique, surtout pour le Luba qui vivent hors Kassai. Surtout pour le Luba qui vivent hors le Kassai. Cette rubrique n'est plus vraiment d'actualité. Avec l'instauration du christianisme, le chrétien dit que le Mbuji Wabakishi n'est pas nécessaire. Donc la chèvre des ancêtres n'est pas vraiment nécessaire. Donc, en bref, nous disons que chez le Luba, il n'y a pas de notion de liste. Non, il n'y a pas de notion de liste de dot comme chez nos frères du Bakongo, du Bandundu et d'autres provinces. Chez le Luba, il n'y a pas. Il y a seulement le rubrique à respecter. Donc, chers frères, si vous voulez épouser une fille Luba, vous devez respecter ces rubriques. Donc, chez le Luba, il n'y aura pas de liste. Il n'y aura pas de liste, il y a seulement deux rubriques à respecter. La priorité revient aux trois premières rubriques. Ça revient d'abord à la rubrique de la dot en argent liquide avec le fusil. Vient ensuite la chèvre des ancêtres. En dernier, on retrouve la chèvre de la virginité de la mariée qui est donnée à la maman et le zabi de parents. Chez le Luba, la priorité est donnée à la famille élargie. Donc, chez le Luba, c'est pas la famille restreinte qui mange la dot. C'est pas que chez le Luba, c'est pas comme ça. La priorité est donnée à la famille élargie, la famille stricte. Donc, la famille strictement dite, papa et maman viennent en dernière position. C'est les trois premières rubriques. Donc, si vous voulez épouser une fille Luba et que vous respectez les trois premières rubriques. Si les trois premières rubriques sont respectées, alors pour eux, il y a mariage.
l'engagement, hein, donc l'engagement à payer le reste ne constitue pas en soi un obstacle. Ça ne constitue pas un obstacle chez Luba. Donc, vous payez d'abord les trois premières rubriques et puis vous prenez la femme et puis les autres, vous allez rembourser un peu plus tard. Ça ne pose pas de problème chez les Luba. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour vous encourager à faire cela. Donc, je ne vous l'ai dit pas pour vous encourager à faire cela. Quand je vous l'ai dit, c'est pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de remplir toutes les rubriques une fois pour toutes, le sachent quand même qu'ils peuvent remplir les trois premières rubriques qui sont prioritaires, prendre la femme et ensuite verser les autres rubriques qui restent. Donc, si vous voyez que vous êtes un homme, vous avez la capacité de tout payer à la fois, donc n'hésitez pas à le faire. Surtout si vous aimez votre femme, vous n'allez pas hésiter à le faire. Donc, comme je le disais, donc, chez les Luba, ça ne pose pas un problème de venir payer d'autres rubriques un peu plus tard. Donc, c'est ainsi qu'il est dit chez les Luba, Kubu Kunku Diyala. Donc, c'est-à-dire que dans les circonstances d'avenir dans la vie de chaque jour, le gendre aidera toujours sa famille. Le gendre aidera toujours sa belle famille, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, ce qui se passe chez le Luba. C'est la procédure à suivre pour épouser une fille Luba. Alors, c'est par là que nous mettons fin à ces nouveaux numéros de notre émission, de votre émission Agriculture. Nous terminons par là. Aujourd'hui, je suis sûre que cette émission a été bénéfique pour tout un chacun, surtout pour ceux qui veulent prendre en mariage de filles Luba. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager nos émissions et surtout, je vous le rappelle toujours, activez la cloche de notification pour ne rien rater au prochain numéro. Je ne peux clore cette émission sans remercier l'Éternel qui est le maître de temps et de circonstances. Et aujourd'hui, j'ai pas trop de gens à saluer. Je vais juste saluer ma boss, maman Cathy Capessa. Je salue mon père, John Betou. Je salue ma mère, Myriam Chabani. Je salue toute l'équipe Cathy Capessa TV. Je salue mon caméraman. C'est lui qui permet à ce que vous puissiez me voir. C'est lui qui permet à ce que vous puissiez me suivre. Benny Kims. Et je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Madame Cathy Capessa, mère boss, je dis et t'es valide. Yes. Cathy Capessa TV. Aïe. Cathy Capessa TV. Aïe. Cathy Capessa TV. Aïe. Cathy Capessa TV. Aïe. Propre petite sœur chérie, y'a madame Eliane Nito, la patronne, y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Cathy Capessa, États-Unis, mouvement Bafalita.